Kate Middleton et William traumatisés, trois fillettes fans de Taylor Swift poignardées, ils interviennent. Elle n'avait pas pu s'y rendre avant et a décidé de se rattraper. Ce jeudi 10 octobre 2024. Kate Middleton a fait sa première sortie publique en couple, avec le prince William. Depuis la fin de sa chimiothérapie. Pour cette première sortie, elle a choisi un lieu victime d'une terrible tragédie, Southport. Une ville qui a connu l'horreur le 29 juillet 2024. En effet, à cette date, trois fillettes ont perdu la vie après une attaque au couteau. Celles-ci, participant à un cours de danse, ont été tuées, alors qu'onze autres ont été blessées. Lors d'une attaque à l'arme blanche perpétrée par un jeune homme de 17 ans. De fait, Kate Middleton et son compagnon ont décidé de se rendre au centre communautaire de Southport pour rencontrer les familles des personnes prises dans l'attaque au couteau. La compagne du prince William apparaît en pleine forme malgré les difficiles mois qu'elle vient d'endurer. En effet, en janvier 2024, la mère de Charlotte, Louis, et George annonçait publiquement être atteinte d'un cancer. Près de 8 mois après cette annonce qui a choqué le monde entier, la princesse de Galles soulageait tout le monde le 9 septembre dernier lorsqu'elle annonçait la fin de son traitement de chimiothérapie. Alors que l'été touche à sa fin, je ne peux pas vous dire à quel point c'est un soulagement d'avoir enfin terminé mon traitement de chimiothérapie. A-t-elle d'abord confié à travers une publication sur son compte Instagram. Avant de poursuivre, les 9 derniers mois ont été incroyablement difficiles pour notre famille. La vie telle que vous la connaissez peut changer en un instant et nous avons dû trouver un moyen de naviguer sur les eaux tumultueuses et les routes inconnues. L'expérience du cancer est complexe, effrayante et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour les personnes les plus proches. Aujourd'hui, Kate Middleton semble beaucoup mieux se porter, même si elle va devoir continuer de se faire suivre et rencontrer des médecins afin de prévenir une éventuelle rechute.